Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour, je suis Thibaut, conseiller ski chez Glisshop.com et aujourd'hui je vais vous présenter le Renegade de la marque Forefront, donc le ski purement freeride de la marque. Donc le Renegade qui va être un ski exclusivement freeride avec 122 mm au patin, donc une grosse largeur. On va retrouver sur ce ski une construction en semi-cab, donc c'est-à-dire une construction sandwich avec un top sheet, donc la sérigraphie qui va venir jusque sur le bord du ski pour renforcer les champs. Un noyau bois érable, donc qui va avoir pour propriété d'être plus léger que le peuplier, mais tout en étant plus rigide. Alors sur ce ski, on va aussi retrouver un rocker en spatule, un rocker en talon pour faciliter la mise en pivot et surtout une entrée de virage beaucoup plus facile. Donc on va retrouver un cambre inversé, donc qui va être plus courbé, plus creusé, donc qui va donner à ce ski la propriété d'avoir plus de sensations sous le pied, donc comme le snowboard en fait, qui va avoir une glisse plus fluide et qui va permettre de surfer sur la neige. Donc en conclusion de ce Renegade, on peut dire que c'est un ski exclusivement freeride avec 122 mm au patin, donc très large, qui va demander de très grands espaces avec un rayon de courbe de 35 mètres et beaucoup de neige, donc vraiment neige profonde pour exploiter un maximum ce ski. Attention toutefois, sur piste, c'est un ski qui fera vraiment que des transitions, qui aura vraiment du mal à passer sur piste. Donc c'est un ski qui va se destiner à des riders de niveau expert avec un très bon bagage technique. C'est aussi un ski qui fait partie de la Signature Series de chez Forefront, donc designé par des riders pro de la marque, donc qui est une marque américaine qui est aussi très peu distribuée en France. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à ski@glisshop.com ou à thibaugé@glisshop.com ou par téléphone au 04 73 26 98 47. Merci. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.